Hello, hello, on va apprendre donc aujourd'hui à fabriquer ton propre masque artisanal chez toi à domicile, sans quitter ton confinement. Si tu n'as pas, et c'est normal, de masques chirurgicaux, des masques de dentistes, des masques d'infirmiers, de gastéropodes, des masques de médecins ou de médecins de campagne, eh bien, tout simplement, ce que tu vas pouvoir faire, c'est un masque encore plus efficace, on va l'expliquer tout à l'heure, chez toi, facilement, pour pas cher, puisque l'État français n'est pas compétent et au bout de 2 mois n'arrive toujours pas à fournir des masques à toute la population. Eh bien, la chaîne YouTube Un après-midi de libre se charge de cette mission. Il suffit pour cela d'acheter un rouleau de sopalin. J'insiste bien, de sopalin et non pas les marques, les sous-marques. À partir du moment où vous n'utilisez pas le sopalin, je déclinerai bien sûr toute responsabilité dans l'attrapage du Covid, du coronavirus. Et donc, vous allez simplement prendre une feuille assez facilement. Voilà, vous avez vu qu'avec sopalin, ça se découpe très facilement. Alors que si vous prenez une sous-marque, ça va se découper en diagonale ou comme un vieux journal. Et ça ne sera pas efficace, d'autant plus que sopalin, les feuilles sopalin sont multi-absorbantes et très résistantes. On va maintenant regarder, je vais le faire devant vous, plier en deux, je vais aller plier en deux ma feuille de papier et j'ai ainsi mon masque à double, eh bien on va dire double paroi, ce qui n'est pas le cas des cas, ce qui n'est pas le cas des masques chirurgicaux d'infirmiers ou de médecins qu'on pourrait vous donner ou qu'on pourrait vous vendre à des prix impossibles sur Amazon ou chez votre pharmacien ou dans un bar clandestin. À partir du moment où vous avez ceci, vous allez tout simplement bien prendre une paire de ciseaux. Je ne sais pas si on la voit bien. Prenez dans la trousse de votre gosse si vous en avez. Sinon, eh bien, vous pouvez découper à la main aussi parce que vous n'allez pas ressortir pour acheter des ciseaux. Vu que tout est fermé. Donc je vais aller couper premier bout de scotch que je vais aller mettre ici même. Donc je vois bien, on va dire à moitié sur le masque, moitié à l'extérieur. Je vais reproduire la même chose. Je vais la reproduire sur un autre morceau de scotch. Voilà, hop, je n'ai plus besoin du scotch, je n'ai plus besoin des ciseaux, vous pouvez les revendre sur le bon coin. Enfin non, pas tout de suite, puisque vous savez qu'il faut plusieurs masques. Un masque dure à peu près 1 heure. Donc si vous sortez 2 fois 1 heure, c'est possible en faisant 2 attestations. Oui, des fois on est un peu plus malin que la moyenne. Il vous faut 2 masques par jour, ou si vous avez de la famille, faut plusieurs masques, donc ne jetez pas tout de suite votre scotch et votre ciseau, ne les revendez pas tout de suite. Et donc une fois que vous avez ceci, donc on rappelle la double paroi de sopalin, vous allez mettre les bords ici vers le bas, comme ceci, et vous allez tourner les côtés collants du scotch vers votre visage, vers votre visage. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Et voilà, vous voyez, j'ai appliqué les bouts de scotch sur mon visage de chaque côté. Je peux maintenant faire mes courses, je peux manipuler ma carte bleue, porter mon sac avec mes poireaux et mes patates. Et je suis entièrement protégé. C'est encore plus efficace que les masques chirurgicaux classiques, les masques de médecins ou de toubib, ou même de dentistes éventuellement. Parce que pourquoi? Eh bien, c'est très important. On ne vous en parle jamais. Parce que, bon, il y a les deux parois que l'on connaît, qu'il n'y a pas dans les masques classiques. C'est également du sopalin, de marque sopalin mondialement connu, multi-absorbant et qui est un peu spongieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le coronavirus, le Covid-19, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va, par exemple, si à travers des postillons, quelqu'un vous parle, qui vous dit ça fera 14,95 € monsieur, et qui vous balance un postillon dans la gueule, d'habitude le coronavirus donc se va
tombé sur le masque chirurgical classique, mais il connaît. Parce que le coronavirus, un virus, il faut le savoir, hein, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, c'est un organisme vivant. Vivant, hein. Vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il comprend, il s'adapte. Il s'adapte comme nous, comme un animal. Et en fait, il va, au bout d'un moment, c'est comme les rats, quoi. Si tu lui mets toujours un gruyère avec une tapette ou la mort au rat, surtout si c'est marqué dessus, ben, au bout d'un moment, il va comprendre. Il va tout de suite voir que tu n'essayes pas de lui donner à manger, mais tu essaies de tout simplement le faire crever. Et le coronavirus, c'est pareil. Il va se rendre compte que quand il va aller vers la bouche d'un être humain, il va se rendre compte que cette espèce de masque médical, mais en fait, c'est fait pour le stopper. C'est fait pour le faire crever. Donc il va s'adapter et en fait, il arrive, quand il rencontre un masque classique, il arrive à se faufiler dans les tissus. Voilà. Et alors qu'avec ceci, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver et il se dit, ah, là, c'est pas le, il n'a pas l'avertissement, il n'a pas le signal. Il a pas le, tiens, il y a une moto qui sort dans la rue. Ah bon? Mais c'est quoi son attestation, mec? Il fait du sport en moto, c'est ça? Et donc le coronavirus, il va arriver sur le sopalin, il va se dire, waouh, en plus c'est spongieux, c'est comme un trampoline. Il dit, ouais, c'est tout mou, c'est sympa, ça ressemble pas du tout à cette espèce de surface rugueuse qu'a un masque de dentiste ou de chirurgien ou de gastéropode. Et donc, en fait, il va se trouver à son aise, finalement. Et c'est là qu'il est piégé, qu'il est bloqué dans les alvéoles spongieuses et multiabsorbantes du sopalin. Et en fait, vous ne serez pas. Il ne passera pas la deuxième paroi, il crèvera entre les deux parois comme une espèce de feuille morte à l'automne et il ne vous fera pas crever tout simplement, mais tout ça dans la sympathie et sans que ce soit une mort, on va dire, douloureuse ou cruelle tout simplement. Voilà, alors ça c'est simple, ça coûte rien en plus un sopalin, un rouleau de sopalin, ça peut aussi vous servir éventuellement si vos gosses renversent de l'oasis sur leur cahier de devoirs, vous pouvez aussi absorber comme ça. Ça sert dans son utilisation classique, on va dire, mais en même temps, et c'est là que c'est important, c'est que le sopalin, jamais on n'aurait pu croire que ça deviendrait un sopalin médical et de sauvegarde de l'humanité, on peut dire. Un petit aparté pour dire que tous ceux qui mettent des espèces de keffiyeh ou de foulards ou de vieilles merdes, tu sais, là, de baba cool, là, ou les bonnes femmes qui ont des. Elle pense que le truc, mais le coronavirus, il n'en a rien à foutre. Il se fout dans ton écharpe. Et comme tu ne vas pas changer d'écharpe tous les jours, régulièrement, et bien en fait, ton écharpe est remplie de coronavirus à chaque fois que tu sors. Et il y en a de plus en plus. Et à la fin, ils font des gosses, les coronavirus. Et ton écharpe, là, ton keffiyeh, ça devient une espèce de saloperie de nid. Un nid de culture, un bouillon de culture de coronavirus qui se mute, qui mute en plus, et qui va ensuite va te faire crever comme jamais. Donc, un sopalin, ça s'arrache assez facilement. Je ne vais pas le faire parce que je suis confiné, je n'ai pas montré, enfin, je ne vais pas parler directement à la caméra. Il y a peut-être des postillons, vous savez, ça passe par l'eau et par les ondes des téléphones portables. Le Covid-19, donc je ne sais pas si ça passe à travers les ondes de YouTube également, par la webcam, on ne sait pas, surtout que je me filme avec un téléphone portable, donc peut-être par téléphone portable, ça peut le refiler à quelqu'un, mais vous l'arrachez, vous dites, ça y est chérie, j'ai fait les courses, vous le jetez à la poubelle, vous vous lavez les mains avec le gel anti-alcoolique. J'aurai une autre vidéo pour remplacer le gel anti-alcoolique si vous n'en avez pas. Très simple également à faire. On verra ça. Et sinon, il y a la vidéo qui va suivre, qui est très drôle. Donc c'est pour ça que tu peux t'abonner à cette chaîne pour être au courant de tous les petits trucs, les petites techniques pour vivre mieux ton confinement, être plus malin, vivre mieux le coronavirus. Ce sera la vidéo pour décorer tes masques. Alors pas spécialement le masque sopalin, mais également les masques classiques qui sont chiants comme la mort, hein, parce que bon, quand tu vois la gueule des guignols dans la rue, t'as plus envie de te flinguer que de te vacciner. Alors, pour égayer tout ça, on va pouvoir les décorer. Je sais pas si la vidéo est déjà sortie. Si c'est déjà sorti, bah, tu
Tu cherches dans la chaîne, dernière vidéo sortie, etc. Les décorations de masques de croque-mort en masque de clown. Je te remercie d'avoir suivi. Garde ton masque jusqu'à la fin de la vidéo. Attends que j'ai fini de parler. Tu peux mettre un pouce en l'air, ça n'attrape pas le coronavirus. Tu t'abonnes, ça te vaccine contre le coronavirus. Et puis, ben, je te dis à tout de suite, hein, et ciao, salut. T'as le bonjour de Jérôme Salomon.